What's up les gars, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, c'est Black Genius. On se retrouve sur une vidéo sur NBA 2K23. Avant de commencer, un petit like et un abonnement les gars, ça fait toujours plaisir, ça aide le développement de la chaîne. On est déjà près de 1200 les gars, c'est incroyable comment ça va vite. Merci pour le soutien. Aujourd'hui donc je voulais vous présenter le build pivot que j'ai créé. Donc c'est le premier build pivot que j'ai créé sur NBA 2K23 et vraiment vraiment les gars, je prends énormément de plaisir à jouer avec lui. Il est très 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 polyvalent et ça correspond vraiment à mon style de jeu. Après c'est pas un pivot je dirais méta, c'est pas du tout un pivot commun que vous verrez dans la communauté, pas beaucoup de gens l'ont fait je crois. Donc je vous présente vraiment un build qui me ressemble et donc si vous en voyez un autre comme ça, c'est que ce sera quelqu'un qui aurait vu ma vidéo certainement, ou alors c'est quelqu'un qui aura eu la chance de créer la même chose que moi. Et vraiment vraiment les gars, la manière dont j'ai créé correspond vraiment à mon style de jeu. Donc si vous vous reconnaissez dans mon style de jeu, je vais vous expliquer chaque détail que j'ai mis pour pouvoir avoir le type de pivot que je voulais avoir. Donc vraiment restez jusqu'au bout de la vidéo, je vais vous expliquer chaque détail pour que vous puissiez avoir toutes les billes pour pouvoir avoir le même type de pivot que moi et que vous fassiez des super actions comme je le fais avec lui, notamment défensivement grâce à ce super badge qui s'appelle Pilier Hall of Fame. Donc on va commencer avec la création du joueur au poste de pivot, évidemment main droite si vous voulez, main gauche comme vous voulez, numéro de maillot peu importe. On va partir sur une taille de 2m19, c'est vraiment un pivot très dominant, je voulais un pivot grand de taille. Mais je voulais aussi un pivot rapide, du coup je suis parti sur 100 kg, ce qui me permettait d'être très 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 fast. Vous l'avez vu en gameplay, il y a une action où je remonte le terrain quasiment à la même vitesse qu'un 2m6, donc vraiment pour le coup, je voulais qu'il soit vraiment rapide pour ce genre d'action. Et c'est pour ça que j'ai mis 100 kg. Pour l'envergure, c'est pas l'envergure max parce qu'il me fallait quand même du shoot. Et du coup, je suis parti sur une envergure de 2m44. Et ensuite, je voulais un joueur quand même assez robuste au niveau de physique. Donc ensuite, on part sur les attributs offensivement. C'est une bête, les gars. Franchement, il a rien à craindre. Au niveau de la finition, vous avez pas mal à faire. Vous avez 16 badges en finition. Donc ça vous permettra d'avoir quand même des temps de sèche. Qui sera en argent. Si vous restez à 16 badges, il sera en argent, mais si vous rajoutez un badge en plus, vous pourrez l'avoir en or. Donc à vous de voir comment vous voulez vous équiper. Ensuite au niveau des doubles pas avec pénétration, on est à 77, mais nous on préfère vraiment Thomas, donc on a mis 84 en dunk, ce qui me permet d'avoir en fait take off en argent, et c'est vraiment un badge très essentiel lorsque vous voulez décoller de loin. Dunk sans élan, on est parti sur 90, ce qui est largement suffisant pour finir à l'anneau, en dessous de l'anneau lorsqu'on est contesté. Ici on va avoir en tir, très 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 bonne note en tir, donc on a 15 badges en tir avec tir à 3 points à 78. Je vous garantis les gars, je shoot avec lui avec facilité, vraiment avec le shoot que j'ai équipé. Donc je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai fait sur les shoots, la dernière vidéo que j'ai fait sur les shoots, je vous ai expliqué que avec ce joueur là et ce shoot là, j'arrivais à faire vraiment vraiment des miracles au niveau du shoot. Donc vraiment allez voir la vidéo, je la laisserai en haut à droite si vous n'avez pas vu la vidéo sur mon shoot, la dernière vidéo sur mon shoot, je vous donnais le shoot que j'utilise sur ce pivot là. Donc avec 78 en shoot, je shoot vraiment 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 très bien, j'ai aucun problème de shoot avec lui. Et malgré le fait que j'ai des badges en bronze et en argent, vraiment les gars, j'ai aucun problème à shooter. Vous faites du pick and pop, vous faites uniquement du catch and shoot, peu importe si vous êtes au corner ou pas, voilà, vous n'avez vraiment pas beaucoup de problèmes avec lui. Vous avez une super note en passe de 80, donc vous allez envoyer des dots, vous envoyez des passes vraiment très 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 rapides, notamment avec lanceur de contre, vous aurez aucun problème si vous montez en or avec 12 badges en organisation, donc vous aurez vraiment de quoi faire. Et regardez-moi cette défense les gars, 30 badges en défense, c'est une beast défensive. Honnêtement les gars, je me fais
des fois bully à l'anneau, mais c'est très très rare quand je suis bien positionné que quelqu'un arrive à monter sur moi, notamment avec le badge dont je vous parlais, donc qui est pilier Hall of Fame. Les gars, ce badge est vraiment un cheat code cette année. Et d'ailleurs, ils ont fait une review NBA 2K Lab. Ils ont fait une review sur ce badge en disant que c'était le meilleur badge défensif cette année. C'était le must have. Et moi, c'est vraiment celui-là que je visais quand je créais ce joueur. C'est vraiment ce badge que je visais. Et notamment, si vous arrivez à le mettre en insigne essentiel, vous pourrez avoir bâton sauteur derrière en Hall of Fame. Ce qui sera vraiment un cheat code, les gars. Vous allez pouvoir sauter plusieurs fois de suite. Autant vous dire que vous n'allez pas pouvoir vous tromper. Alors, le seul défaut du coup, et je tiens quand même à le préciser, c'est que vous aurez du mal à mettre des écrans. Donc, vraiment, ce joueur-là, avec la taille que je fais. Moi, je joue avec un autre de mes potes qui joue avec son pivot pilier défensif en intérieur qui n'a pas de shoot. Et ce que je fais, c'est que moi, je me mets au corner en attaque, c'est-à-dire que je suis un peu dans le rôle de l'AF, un grand AF à 2m19, vous direz. Mais ça me permet vraiment d'aller prendre des rebonds et de shooter de manière très très consistante. Donc, j'ai pas vraiment besoin de poser des screens parce que c'est lui qui pose des screens avec son mur de briques Hall of Fame. Et des fois, ça fait totalement l'affaire. Par contre, si vous jouez en street, donc en parc, ou en 3v3, vu qu'il est suffisamment rapide pour se déplacer, vous n'aurez pas de problème de jouer en 3v3. Et mur de briques en bronze fera largement l'affaire pour la plupart des joueurs que vous allez croiser. En général, ils n'auront même pas pro de l'esquive en Hall of Fame, sauf si vraiment vous tombez sur une squad très très comp, mais en général, ça fait vraiment l'affaire. Donc mur de briques en bronze, c'est le seul petit défaut, je dirais, si vous voulez jouer en mode compétitif. Mais moi, c'était pas mon objectif, je voulais vraiment un joueur fun avec qui je peux vraiment m'amuser, faire beaucoup de choses. Et en réalité, même avec mur de briques en bronze, si vous savez vraiment poser les bons écrans, vous arriverez vraiment à avoir des bonnes animations. Donc anyway, je voulais quand même le préciser avant de vous permettre de créer ce joueur. Si jamais vous voulez faire un joueur compétitif au poste 5, ce joueur là ne sera pas vraiment le plus adapté, surtout pour poser des écrans. Après, si vous avez un jeu que vous adaptez en 5 out, c'est à dire que vous laissez tout le monde open et il y a un joueur qui joue ISO, à ce moment là oui, vous pouvez jouer avec lui et probablement ça pourra mieux coller. Mais anyway, trêve de bavardage, vous avez donc 93 en rebond défensif, ce qui est très très bien pour pouvoir prendre des rebonds. Donc vous aurez chasseur de rebonds en or, malheureusement vous pouvez pas l'avoir en Hall of Fame, ça coûtait beaucoup trop cher d'aller à 99 et vous auriez dû sacrifier une autre catégorie d'attributs. Et c'était pas vraiment intéressant. Et de toute façon, je me suis dit, avec sa taille plus chasseur de rebond en or, ça fera vraiment l'affaire. Vous avez 2m19 chasseur de rebond en or, même s'il y a un petit 2m13 ou un 2m16 qui a chasseur de rebond en Hall of Fame. Normalement, si vous êtes bien placé, les gars, il y a une possibilité que vous ayez la balle une fois sur deux ou une fois sur trois. Voilà, ça dépend vraiment des statistiques et de la manière dont la balle rebondit. Donc, anyway, c'était vraiment la précision que je t'aimais à faire quand même. Et pour le reste, vraiment, vous êtes vraiment plutôt à l'aise. Il y a aussi compte par derrière en Hall of Fame, j'ai pas précisé, mais voilà, c'est ça, vous le voyez vraiment à l'écran. Ce sont des badges qui vont vraiment vous aider à défendre. Ensuite, au niveau des qualités physiques, il est vraiment très bien. Franchement, 65 en vitesse, vous l'avez vu. Il est vraiment très très propre au niveau des déplacements. Je me sens pas du tout lent et c'est ce que je voulais éviter. Ça, j'ai fait un joueur à 100 kg. Au niveau de la force, on est à 57. On n'aura pas de badge bully ou quoi que ce soit, mais comme je voulais quand même avoir un ressenti au niveau du mur de briques, j'ai quand même augmenté un peu la force. Parce que la force en fait impacte aussi votre mur de briques si vous n'étiez pas au courant. Si vous montez la force, plus vous montez la force, plus votre mur de briques est imposant. C'est-à-dire que le mur de briques, ça concerne deux statistiques. Ça concerne la défense intérieure ou la force. Hein, vous le voyez, c'est écrit en bas. Donc si vous augmentez la force, vous pouvez avoir mur de briques même si vous augmentez pas la défense intérieure. Donc vraiment, quand vous montez la force, vous ressentirez beaucoup plus les impacts sur votre défense. Vous aurez des animations où les gens vont prendre beaucoup plus votre écran, donc c'est pour ça que j'ai augmenté la force et c'est pour ça que je vous conseille de la laisser augmenter. Donc voilà un peu, je crois que j'ai touché à quelque chose, je sais pas ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, pardon, je vais recommencer. Ouais, c'est mieux comme ça, parce que je pense que j'ai touché à quelque chose, c'est pour éviter de vous tromper dans les stats. Voilà, là vous laissez 57 en force, détente 70, 93 en endurance, autant vous dire que vous ne serez jamais fatigué. Et quand vous validez tout ça, vous aurez accès à plusieurs takeovers, dont celui de Sharp, celui de Rim et celui de Rebondeur. Donc à vous de choisir, moi je vous conseille honnêtement de partir sur Monstre Rebond. Parce qu'en fait, vu qu'on l'a vu tout à l'heure, j'ai que Chasseur de Rebond en or,
En fait, vous allez pouvoir compenser ça avec le fait d'avoir un double takeover de rebondeur, ce qui vous permettra en fait d'avoir un peu le chasseur de rebonds en Hall of Fame. Vous voyez, vous allez être beaucoup plus avantagé lorsque vous allez avoir des rebonds à capter. Et en fait, à chaque fois que vous prenez un rebond, votre takeover va monter très très vite, surtout si vous avez accélérateur. Mais c'est un conseil que je vous donne, après vous faites ce que vous voulez. Moi, je sais que j'ai pas besoin du badge de shoot pour shooter avec lui, avec le shoot que j'ai mis. Donc vraiment, à vous de voir si vous voulez intimidation dans la raquette. Mais franchement, je pense que Monstre Rebond, c'est le meilleur pour ce pivot-là. Mais ensuite, c'est à vous de voir en fonction de votre style de jeu. Et une fois que vous validez tout ça, vous tombez donc sur mon finisseur rebondeur. Très, très, très cheaté, les gars, qui ressemble à Hakeem Olajuwon, Mitchell Robinson et bien sûr Jojo Embiid, les gars, parce que vous êtes un super shooter. Et une fois que vous validez tout ça, vous avez donc mon pivot que j'utilise cette année sur NBA 2K23. Les gars, si vous faites ce joueur, laissez-moi des commentaires et dites-moi ce que vous en pensez, parce que franchement, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à jouer avec lui et j'aimerais vraiment avoir votre avis en retour. Donc, n'hésitez pas à laisser un like et un abonnement. C'est Black Genius pour vous servir sur NBA 2K23. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était tout pour moi. Ciao.